On est jeudi 9, il est 10h20 déjà. Je viens d'aller conduire Eustacie à l'école. Elle commençait plus tard aujourd'hui, il y a plein de grèves et son... Mais ça va, ça, son prof qu'elle avait de 8h à 10h, elle avait 2h d'affilée, avait prévenu qu'il faisait grève. Donc du coup ça lui a permis de ne pas y aller à 8h et de se taper 2h de perm. C'était gentil de sa part parce qu'ils sont pas dans l'obligation de le dire. Et là Kimber, elle vient de m'appeler en me disant que son prof aussi était absent et que du coup mal re-rentrait. Mais elle commençait à 8h elle hein. Donc elle a eu quand même 2h de cours. Mais voilà, donc c'était pas prévu, mais elle rentre. Et je sais qu'il y a la cantine aussi pour eux qui fait grève. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Ben, pas grand-chose. Ouais. Je sais pas, on verra ce que la journée nous réserve, mais il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien du tout. Il fait pas très beau encore une fois aujourd'hui, mais peut-être que chérie ira quand même au potager. Je vais voir si ça lui botte d'y aller. Si on n'a rien de prévu, voilà, ça lui permet d'avancer aussi au jardin. Donc au menu aujourd'hui, donc j'ai déjà déjeuné, j'ai mangé du pain avec 50 g de pain, avec du sylphide, voilà, et puis la salade de fruits que j'avais fait hier, le reste que j'avais mis de côté, et un yaourt, et bien sûr mon petit café. Quoi de prévu du coup au menu? Ce midi, c'est des sandwichs italiens pour chérir les enfants. Moi je pense, je vous ai fait montrer hier hein, enfin voilà ce que j'avais mis dans le sandwich italien. Moi je pense que je vais me sortir une galette au sarrasin, une crêpe au sarrasin, et je vais la garnir un peu comme j'ai garni leur sandwich. Je vous montrerai, mais je pense que je vais me faire ça ce midi avec un yaourt en dessert. Et ce soir, alors logiquement c'était des palets de crevettes avec une salade de choux et des grenailles rôties. Je vais faire ça, mais je pense que je vais le transformer en burger de crevettes. En fait je vais juste faire des pains hamburger briochés en plus pour les enfants et chéri. Ils mettront leur steak et la salade dedans de choux. Je vais sûrement pas manger de pain moi par contre, parce que en fait entre le pain plus les grenailles, va falloir que je choisisse un des deux. Donc je verrai, ça sera soit le pain ou soit les grenailles, soit les... Je verrai, je vous dirai du coup ce soir. Mais bon, on fera ça ensemble. Et le dessert, c'est un tartare de fraises avec des pistaches sur du skyr. Mon rouge à lèvres, par contre j'ai oublié de le descendre. Alors c'est un rouge à lèvres mat de la marque Mua. J'essaierai de vous le montrer, j'essaierai de le descendre après pour vous le montrer. Alors il est bien, hein, mais il est très très mat. Voilà, donc du coup, arrivé à un moment dans la journée, enfin moi je sais pas, hein, mais à chaque fois, au niveau du creux ici, ben ça s'enlève. Et quand vous voulez remettre une couche, ben il faut mieux tout enlever, parce qu'autrement ça fait des dépôts comme des petites peaux de rouge à lèvres qui s'en va en fait. Voilà, mais autrement voilà, il est très beau, il est très mat, donc il faut aimer le mat, mais autrement je l'aime bien. J'ai Luna dans les bras, je sais pas si je vous l'ai dit. Hein, elle avait envie de câlin. Elle miaulait, donc du coup je l'ai pris. Bon allez, du coup je vais finir ce que j'ai à faire et je vais travailler un petit peu sur la chaîne, mon programme du jour. Et ce que je voudrais faire aussi, c'est débarrasser un petit peu, ranger un petit peu au-dessus de mon frigo. Je voudrais mettre les pots de graines, enfin j'ai envie de quelque chose d'un peu plus épuré. Donc du coup voilà, je vais voir ce que je vais pouvoir faire pour un petit peu épurer ma cuisine. Je trouve que mes plans de travail et tout, c'est un petit peu trop chargé. Je voudrais essayer de les vider un petit peu. Mais pour pouvoir vider ce qu'il y a dessus, il faut que j'ai de la place. Voilà, pour pouvoir les mettre. Allez, on y va. Alors, il y a Luna, en ce moment, elle est attirée par... vous voyez, avec le soleil qu'on a en ce moment, ben ça fait
des petites lumières au plafond là. Alors avec sa petite médaille, il y a des moments le soleil reflète dessus et du coup elle est là en train de chercher pour avoir le petit truc. Elle s'installe complètement là, hein, voilà. Hein, petite flatteuse. Elle perd ses poils en ce moment. Hein? Là, j'en ai un au bout du nez là qui me gratouille. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Oh. Kimberly est rentrée, elle a mangé, elle est repartie parce qu'elle reprenait une heure. Et Stacy, après la relève, elle vient de rentrer et elle est en train de manger. Du coup, moi, je vais préparer aussi mon repas. Donc, ce midi, comme je vous ai dit, je me suis sorti une galette. Donc, j'ai fait une galette avec à peu près ce qu'ils ont mis dans leur sandwich, en fait. Donc, j'ai mis un petit peu de sauce tomate que j'ai fait maison. Ensuite, donc c'est une sauce tomate avec des herbes dedans, enfin voilà, comme je vous ai dit hier, j'ai mis un œuf, une tranche de jambon cru le forêt noir, donc un œuf sur le dessus, de la roquette, 13 g de copeaux de parmesan, tomate, et puis j'ai mis aussi un petit peu, alors un petit filet parce que c'est déjà un point juste pour 10 ml. De vinaigre balsamique, vous voyez le sirop là, alors c'est celui-là, la crème, voilà, ici, donc voilà. Et avec ça, bien sûr, je vais pas manger que ça, hein. Je vais me faire une salade avec des carottes, voilà, et de la salade, voilà, hop, allez, on va manger. Parce qu'il fait un petit peu faim. J'ai descendu mon rouge à lèvres aussi, donc vous voyez ce que ça fait la faim à la force. Quand je bois du café ou des choses comme ça. Voilà, mais autrement il tient bien. Il marque pas, donc ça c'est cool. Mais voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que là, si vous voulez faire une retouche, ben, comme je vous ai dit, ça va faire tout des petites peaux. Donc il faut mieux enlever et refaire et en remettre quoi en fait. Donc c'est celui-là, c'est le Vetvet. Hop. Lipstick de la marque Mua. Voilà. Et c'est la couleur Moxie, voilà, M-O-X-I-E. Bon allez, maintenant je vais manger, à tout à l'heure. Je vous ai pas dit les points. Donc la galette c'est 3 points, le jambon c'est 1 point, et les copeaux de parmesan c'est 1 point, et le vinaigre balsamique c'est 1 point. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 6 points pour mon assiette. Voilà. Donc voilà. En plus de ma galette, vous voyez que j'ai une belle salade là avec de la salade, des crudités, enfin des carottes, l'autre moitié de la tomate, j'ai mis un peu de vinaigrette comme je fais d'habitude, donc à zéro avec le yaourt, et des oignons nouveaux, voilà, émincés sur le dessus, donc ça fait quand même une belle assiette. Hein. Bon, il est 15h, alors chérie est partie au potager, mais il commence à pleuvoir. J'ai rangé un petit peu ma cuisine, j'ai fait un petit peu le vide, je vais vous montrer ce que j'ai fait après. J'ai essayé d'épurer un petit peu, bon c'est pas encore ça, hein, mais voilà, je vais y travailler un petit peu à la fois et je pense qu'on va y arriver. Ce qu'il y a, c'est que je manque de place. Voilà, j'ai trop de trucs et je manque de place. avant de vous montrer, j'ai reçu un colis, donc je voulais vous en parler un petit peu, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le colis. En fait, il y a quelques temps, j'ai reçu un mail de la marque Fossa. Vous savez que cette marque, c'est une marque que j'adore et que je vous ai déjà parlé et que c'est mes boîtes de conservation que j'utilise tout le temps. Et en fait, j'ai reçu un mail, comme ça, spontané, où il me remerciait de la vidéo que j'avais fait et que pour me remercier, il me proposait d'envoyer un produit. Alors, comme je leur ai dit, moi, si je l'ai fait, c'est parce que c'était mon ressenti, parce que j'aime vraiment ces produits, je trouve ils me servent énormément, c'est devenu des indispensables dans ma cuisine, donc voilà, j'attendais strictement rien en retour quoi en fait. Alors mais il m'a quand même proposé de m'envoyer un de leurs nouveaux produits, un de leurs best-sellers en fait du moment et tout, donc du coup voilà, j'ai accepté, ça me faisait plaisir, et puis de toute façon comme je lui ai dit, ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne, enfin la marque, le produit, je l'aime bien, il fonctionne bien quoi en fait, et vous êtes beaucoup à avoir investi aussi dans ces boîtes, et vous en, enfin j'ai que du positif en fait qui revient à chaque fois sur ces boîtes. Donc il m'a envoyé ce colis, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il m'a strictement rien demandé, enfin la marque ne m'a strictement rien demandé, elle m'a pas demandé d'en parler, elle m'a pas demandé de faire quoi que ce soit de plus que ce que je faisais déjà, enfin voilà, ils m'ont strictement rien demandé, c'était vraiment en remerciement, donc c'est vraiment très très gentil de leur part. Et comme je leur ai dit, moi si je le faisais,
Voilà, enfin vous le savez, hein, il y a vraiment très très rarement des partenariats sur la marque, sur la chaîne, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie que ma chaîne devienne un panneau publicitaire. Si je dois parler de quelque chose, je veux que ça vienne de moi, que c'est parce que pour moi, enfin que j'ai envie d'en parler et que pour moi, ça en vaut le coup d'en parler. Je vais pas parler de quelque chose qui me sert pas, que voilà, tout ça parce que je l'ai eu gratuit, quoi, en fait, ou parce que c'est un truc pour vous faire acheter des choses et non, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux et bref. Hein. Donc ça va être très rare que vous allez avoir des partenariats, ou soit c'est vraiment parce que je le décide et que c'est un produit qui pour moi vaut le coup, quoi, en fait. Voilà. Donc ce qu'il y avait, enfin, quand je vous ai parlé à chaque fois des produits, c'était vraiment parce que ça venait de moi, je vous le dirais, hein, si ça aurait été un partenariat. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est toujours pas le cas parce qu'en fait, voilà, comme je vous dis, ils m'ont strictement rien demandé en retour. Donc je vous montre ce qu'ils m'ont donné, j'en suis super contente. Voilà, parce que vous savez que c'est quand même assez... enfin voilà, ces boîtes valent vraiment le coup, mais elles sont quand même... elles ont un prix quand même. Hein. Mais bon, après, je pense que c'est lié aussi, hein, comme tout. Hein. Et du coup, oui, et le produit qu'ils m'ont envoyé, en fait, il m'intéressait beaucoup. Parce que c'est un produit que j'avais déjà acheté chez Lidl. Et ça avait été un flop total. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc voilà, donc dans cette, dans ce carton, donc j'avais déjà ouvert, hein, il était bien protégé et tout. Il m'a mis une boîte. Donc ça, c'est les boîtes, une belle grosse boîte quand même, hein, de la, ben, que j'utilise, quoi, en fait. Hein. Mais c'est vrai que ce modèle-là, je ne l'avais pas, donc c'est super, ça va être pratique pour la salade. Donc les boîtes Fossa, vous les avez déjà vues, hein, parce que je les utilise, mais alors, tous les jours, quoi, en fait. Tous mes légumes et tout que j'achète, je coupe, je mets dedans. Donc en fait, c'est des boîtes avec... hop. Donc là, c'est déjà une belle, hein, qui m'a envoyée. Donc ça va être pratique pour la salade. Je pense même... non, c'est pas la même que la mienne, hein, je pense pas. Hein. Si. Hop, je vais la sortir. Hop. Oui, ben si, c'est la même. C'est la même que celle que j'avais achetée. Donc génial, je vais pouvoir mettre ma salade ou des choses comme ça dedans, parce que du coup l'autre je l'utilisais pas pour mettre la salade parce que j'en avais besoin pour faire le système avec les bocals comme je vous ai dit. Donc en fait la marque Fossa pour les boîtes de conservation, ça va avec une turtle comme ça, parce qu'ils appellent une turtle. Vous mettez au-dessus, vous appuyez juste pour le petit bouton et ça fait le vide dans la boîte. Et du coup, les aliments se conservent super longtemps. Franchement, j'ai fait l'expérience avec des fraises et tout. Et même une de vous me l'a dit en commentaire, j'ai testé, j'ai gardé 6 jours mes fraises. Et c'est vrai, on les conserve super longtemps, quoi, en fait. Alors que les fraises, c'est quelque chose qui se perd vite. Mais oui, moi je l'utilise vraiment pour tout, mes légumes et mes fruits. Même quand je coupe mes fruits, je les mets dedans. Enfin voilà, c'est vraiment... enfin, moi je les adore. Bref, vous l'avez compris, hein. Mais c'est pas... parce que là, voilà, c'est vraiment, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, que je vous en parle énormément. Donc ensuite, ils m'ont envoyé, alors, un calendrier, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un calendrier chevalet, comme ça. Hop. Et vous allez rigoler. Si vous me suivez, vous savez que... le tort que j'ai, c'est de ne jamais mettre de tablier quand je cuisine. Alors, ils m'ont envoyé un tablier, voilà, avec la marque Fossa dessus. Et je sais pas, il est un peu plastifié, en fait, le tablier. Donc, je vais essayer de le mettre. Hein. Et du coup, ils m'ont envoyé ça. Et c'est ça que je vous disais que ça me faisait... enfin, voilà, j'avais vraiment envie de le tester pour voir. Parce que, je sais pas si vous avez déjà vu à Lidl, ils vendent un peu le même système... ça fait des sacs, en fait c'est des sacs que vous faites sous vide. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est l'intérieur. Donc en fait à l'intérieur vous avez, hop, ça c'est pour fermer les zips. Alors ça c'est une ventouse sûrement de, ouais, une ventouse de rechange. Et ça c'est l'adaptateur pour la turtle. Donc ensuite vous mettez la turtle dessus pour pouvoir faire le vide en fait des sacs. Et les sacs, c'est, hop, des sacs réutilisables. Ah, alors est-ce que je vais y arriver? Ils sont tout craqués. Donc dedans vous avez
6 grands sacs, donc de 3 litres 8, 4 6 sacs de 2 litres et 4 sacs de 0,9 litres. Donc en fait, ça fait des grands sacs comme ça, ou des petits, ou des moyens, voilà. Alors, avec un zip, donc vous ouvrez, vous mettez le produit à l'intérieur, et ici, je sais pas si vous voyez là, ici, ouais. Donc après, vous refermez, et ici, là, en fait, ça fait le vide. Donc ça fait un peu comme les sacs, vous voyez les sacs des vêtements et tout qu'on met. Et du coup, ben, les produits, sont, ils se gardent beaucoup plus longtemps. Alors, ce qui va être pratique, ça va être pour tout ce qui est jambon, fromage, vous voyez dans le frigo, tout ce qui est plat et que vous les remettez dans votre boîte à charcuterie ou dans votre fromage. Ou alors, eux, ils disent qu'ils s'en servent aussi pour mettre en congélation, pour les légumes, pourquoi, pour faire des marinades, enfin des choses comme ça. Donc et puis ils s'en servent aussi pour faire, alors moi je vais pas m'en servir hein, mais pour faire aussi des consommations, vous voyez la cuisson, voilà la cuisson sous vide. Alors moi ça je vais pas m'en servir, mais par contre pour tout ce qui est tranches de fromage et tout, d'habitude j'utilise mon sous vide là, de chez Lidl en fait. Et mais ce qu'il y a, c'est que les sacs ne sont pas réutilisables. Une fois que vous les avez utilisés, ben c'est mort quoi en fait. Vous ne pouvez pas ouvrir et refermer comme vous voulez quoi en fait. Voilà. Prenez une tranche, ben vous devez tout reprendre maintenant dans un autre sac. Et puis donc c'est un peu le truc contraignant de l'appareil de chez Lidl. Mais ils m'ont vendu à un moment ce même système à Lidl avec des sacs comme ça. Je ne l'ai plus, je l'ai jeté. J'aurais dû le garder pour vous montrer. Mais en plus, je l'ai vu encore cette semaine. Donc ça fait des sacs comme ça que vous pouvez racheter même à part. Et vous avez un appareil électrique que vous venez mettre comme ça dessus. Je l'avais acheté parce que justement, dans ce but-là, pour les tranches de fromage, le jambon, vous voyez, quand vous faites des sandwichs et que, comme nous, qu'il vous reste 2-3 tranches de jambon que vous les laissez au frigo. Et que vous les reconservez plus longtemps. Donc bah moi à chaque fois je les remettais dedans. Mais quand les enfants avaient besoin, enfin avec l'appareil sous vide, dans le plastique là, mais quand les enfants avaient besoin que d'un sandwich avec une tranche de jambon, bah je devais couper, il me restait une tranche de jambon, je devais remettre dans un plastique. Donc ça faisait un peu du gaspillage de plastique. Alors que là, bah vous ouvrez, vous prenez votre tranche, vous refaites le vide. Donc ça c'est cool. Et du coup c'est pour ça que j'avais voulu l'acheter à Lidl. Et quand je l'ai utilisé, franchement ça gardait pas l'air. Enfin ça gardait pas le vide. C'était vraiment de la... Voilà, la gnognotte quoi en fait. Donc du coup je testerai celui-là et je vous le dirai. Je vous dirai voilà, je vous ferai un retour dessus. Donc je suis contente de tester ce système parce que franchement ça peut être d'une grande utilité. Donc voilà, donc je remercie du coup à la marque Fossa hein, de ce petit cadeau. Et comme je vous dis, hein, y avait vraiment aucune obligation, enfin je me répète, mais c'est vraiment parce que c'est une marque que j'aime bien et vous pouvez aller regarder sur les vidéos d'avant. En fait c'est pas la première fois que je vous en parle hein. Allez, et la preuve en est, c'est que j'en ai plein à la maison. Bon, il y a toutes les tailles et tout hein. Je vous en ai déjà parlé parce que vous m'avez déjà demandé un retour dessus. Bon allez, j'arrête, je clôture, je range ça et je vous en ferai un retour pour vous dire si ça vaut le coup ou pas du coup. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait à ma cuisine. Donc alors, à cette cuisine, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà, vous vous souvenez, enfin je ne sais pas si vous, il y avait des bocaux ici de graines, du coup, que j'ai retirées, que j'ai mis dans le cellier. Alors ce qui est au-dessus du frigo, ça ne me convient pas encore, hein. Logiquement ça devrait être rangé ailleurs. Là je les ai mis là pour l'instant, mais voilà, je vais me faire de la place dans mes armoires pour pouvoir les ranger. J'ai changé de place mon micro-ondes, je l'ai mis là. En fait ça va être la place du micro-ondes par la suite ici, quand on va refaire la cuisine. En fait, j'attends que ma gazinière... J'ai du mal à devoir la changer, en fait. Parce que ce qu'il y a, c'est que je vais mettre une tour ici. Donc, il va y avoir mon four que je voudrais en hauteur. Parce que là, c'est bien, hein, c'est pratique. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est en bas. Donc, du coup, voilà, avec mon problème de dos et tout, il y a des moments, j'ai un peu du mal. Donc, je voudrais qu'il soit à hauteur. Et puis, pour mes vieux jours, on pense, voilà, à quand on sera 20 ans plus vieux et qu'on aura un peu... plus de mal à s'abaisser. Mais voilà, je voudrais le mettre une tour avec du coup le micro-ondes et le four ici.
Donc ici à cette place ici, et du coup ici là ça serait juste un grand plan de travail, et je mettrais sûrement une plaque vitrocéramique, parce qu'en fait ici on n'a pas le gaz, c'est de l'électricité, et du coup comme moi c'est une gazinière au gaz, je suis obligée de les mettre des bonbonnes, voilà. Donc c'est pour ça que la prochaine ça sera sûrement une vitro céramique, pas une électrique mais une vitro. Donc voilà, donc j'ai du coup mis le micro-ondes là. Et ça m'a permis de mettre mon Cookeo là-bas et du coup d'avoir un peu plus de place aussi là. C'est vachement plus dégagé. En fait, c'était surtout pour ici parce que là, j'avais mon kitchen qui était là, mon Cookeo qui était ici, mon pied qui est toujours ici de là où je filme en fait. Mais du coup, ben, j'avais pas beaucoup de place. C'était un peu trop étriqué et j'avais l'impression que c'était vraiment trop serré. Donc du coup, ben, je voulais libérer un peu de place. Et c'est ce que j'ai fait en mettant le Cookeo là-bas. Donc voilà. Et puis en plus, ça me fait un plus grand plan de travail là. Et j'ai aussi un petit peu espacé ici. Et j'ai enlevé là, il y avait la trancheuse. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc, bah, après, c'est pas encore fini, hein, mais j'ai déjà fait une bonne partie aujourd'hui. Je viens de me faire une frayeur. Je viens en fait de mettre le calendrier pour de Fossa. J'étais en train de regarder. Et il était écrit donc que c'était la fête des mères cette année, ce mois-ci. Et je vois qu'il y a un petit truc sur le 12. Je sais pas si vous allez voir. Et je me dis, mais la fête des mères, c'est pas ce week-end. Et du coup, j'ai dû aller vérifier parce que j'avais un gros doute. Mais non, non, c'est pas ce week-end, c'est le 26. C'est dans 15 jours. En fait, c'est la fête des mères belges, le 12, je pense. Bon. Du coup, je vais enlever le tablier. Hein ? Je le mets déjà pas pour cuisiner. Donc là, si je cuisine pas, mais je vais essayer de le mettre. Mais j'en ai en plus un des tabliers, mais j'en mets jamais en fait. C'est un tort. Et je vais du coup ben, faire mes pains pour ce soir. Mes pains en burger et sortir mes crevettes aussi. On y va du coup pour la recette des burgers briochés pour ce soir. Donc c'est un pain en burger brioché. Je suis partie un peu sur la recette des dinner rolls que je vous avais partagé. Je l'ai juste allégé un petit peu. Et par contre les points, je vous le dirai à la fin, parce que je vais voir en combien je peux le diviser pour pas que ça fasse des trop petits pains et pas que ça fasse des trop gros. Donc je vous dirai ça tout à l'heure. Alors là, j'ai 125 ml de lait écrémé tiède. Je vais y ajouter 8 g de levure. Alors tiède parce que si elle est trop chaude, ça tue la levure. Hop, alors 8 g, allez, on y va. Voilà, j'ajoute, là j'ai 15 g de xylitol, je vais prendre une demi-cuillère à café dedans et je vais l'ajouter à ma levure et je vais mélanger et je vais attendre que ça mousse un tout petit peu, que la levure prenne vie. Alors moi j'utilise du xylitol, donc je mets que 15 g, logiquement dans la recette c'était 25 g de sucre. Le xylitol a un pouvoir sucrant qui est plus important, donc il faut en mettre moins. Donc voilà pourquoi j'en mets moins. Donc on fait diluer la levure et puis on attend qu'elle mousse un tout petit peu. Donc dans le bol de mon robot, j'ai 300 g de farine. Donc là c'est de la T65 avec 25 g de margarine 55%. Je vais y mettre dedans une demi-cuillère à café que j'ai rangée hop, de sel. Hop là. Le restant des 25 g des 15 g de xylitol et le lait avec la levure diluée. Hop. Et on va mettre en route. Et on va pétrir au moins pendant 10 minutes. J'ai oublié, il faut mettre un œuf aussi. Donc là, hop, dans le robot, on ajoute un œuf. Hop. Voilà. Et en même temps, je vais en profiter. Je vais les remettre dans ma cocotte. C'est les œufs de chez mes parents. C'est pour ça qu'ils sont différentes couleurs, différentes tailles. Voilà. Il y en a qui sont un petit peu sales, mais c'est pas grave. Ouais, c'est des bons œufs. Voilà. Là, ma pâte a pétri 10 minutes. Donc, je la mets dans le fond. Je mets une petite charlotte. Et je la laisse
doublé voire triplé de volume. J'en ai profité aussi, j'ai sorti mes crevettes du congélateur. J'ai sorti à peu près un peu plus de 600 grammes de crevettes. Voilà, il y a 650 grammes je pense à peu près. Donc c'est pour faire les steaks. Donc je vais finir de les décortiquer. Je vais les faire décongeler, finir de les décortiquer. Et en fait c'est avec ça qu'on va faire les steaks tout à l'heure, les steaks de crevettes. J'ai épluché, enfin je sais pas, on dit pas épluché, bon genre écossé. J'ai enlevé la coquille des pistaches non salées que j'ai acheté à Lidl pour faire mon tartare ensuite de fraises. Et là, je vais goûter parce que j'ai faim. Donc je me suis fait un yaourt avec une banane, une petite banane et un fruit de la passion sur le dessus. Ça va être mon goûter d'aujourd'hui avec une petite infusion aussi. Je vais me faire une infusion tout de suite. Et je vais manger. Il est... 4h, presque 4h30, et 4h23. Et ensuite, je vais. Je pense que je vais attaquer le tartare de fraises pour ce soir. Mes crevettes sont pas encore dégelées, donc je vais attendre un petit peu. Et puis, je vais m'amuser aussi. J'adore faire ça, éplucher les crevettes. J'ai horreur de ça. Le pire, c'est les toutes petites crevettes, les crevettes grises. J'ai horreur de les éplucher. Allez! Thierry, il est mon gentil, lui. Enfin, il enlève la tête, il enlève la queue et il s'amuse pas à enlever la carapace. Je trouve ça... Voilà. Moi, il faut que j'enlève tout. Mais du coup, j'en mange pas beaucoup parce que ça m'énerve à la force de devoir les éplucher. Et quand vous les achetez épluchés... Enfin, oui, je dis épluchés, mais ça se dit pas éplucher des crevettes, non? Bon, bref. Vous m'avez compris. Donc, quand on enlève leur coquille, enfin, leur carapace, et ben, après, moi, vous avez plus envie d'en manger, quoi, en fait. À la force, voilà, ça... Bref, allez, je fais mon infusion et je mange parce que j'ai vraiment faim. Bon, on y va du coup maintenant pour le dessert, pour le tartare de fraises. Alors là, je vais préparer... En fait, le tartare, je vais le déposer sur un lit de skyr. Donc, je vais mettre dans les verrines, je vais mettre du skyr aromatisé à la vanille et sucré. Et au-dessus, je vais mettre le tartare de fraises. Donc, dans un pot de skyr, donc il y a 350 grammes, je vais ajouter 2 cuillères à café... Alors moi j'utilise du xylitol, à vous de voir, après, et puis sucré au goût, en fonction du sucre que vous utilisez, il n'y aura pas forcément le même pouvoir sucrant. Et j'ajoute de la vanille, de l'arôme vanille, une cuillère à café et on mélange. Donc une fois que c'est bien mélangé, on va le répartir du coup dans 5 verrines. Donc là du coup je viens couper à peu près 250 g de fraises en petits dés, comme un tartare en fait, qu'on met dans un petit bol à côté. Hop, donc on les lave, on les écute et on les coupe en petits dés. Donc là dans mes fraises je vais ajouter 2 cuillères à café, hop, de xylitol. Un tout petit peu, donc une demi-cuillère à café de menthe. Alors moi c'est de la menthe surgelée. C'est pratique quand c'est pas trop la saison d'en avoir au congélateur. Pour les salades ou... hop, voilà. Et ensuite là j'ai mes pistaches que j'ai, donc non salées, que j'ai émondées. Je sais pas, non, je sais vraiment pas comment on dit quand on épluche des pistaches. Donc là j'ai 30 grammes de pistaches. Et je vais ajouter une partie à l'intérieur et je vais garder un petit peu pour saupoudrer après sur le dessus des verrines. Donc là, je vais mélanger le tartare. Donc je mélange. Et on va pouvoir, du coup, il n'y a plus qu'à mettre sur le dessus du skyr. Et mettre un tout petit peu de pistache sur le qu'on a réservé sur le dessus. Et le dessert sera fini. Voilà. Donc je verse du coup. Je répartis sur le skyr. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre un tout petit peu du coup de pistache sur le dessus. Et ensuite, moi, je vais les mettre au frigo pour ce soir. J'ai fait
quand même épeint. Donc j'ai divisé ma boule de pâte qui avait bien doublé voire triplé de volume. Je l'ai divisé en 7 boules de 75 grammes. Donc du coup, ça nous fait 5 points le petit pain brioché. Alors j'ai fait les boules, je les ai aplaties, je les ai fait volontairement pas très grands. Comme je vais rajouter des pommes de terre avec, je voulais pas que ça soit trop gros parce que autrement ça va être trop bourratif. Pommes de terre, la salade de choux, plus le steak, plus le pain. Voilà, donc je les ai fait pas trop, enfin voilà, je les ai aplatis pour pas qu'ils soient trop épais et puis qu'ils soient pas trop gros. Mais là ils vont lever encore, hein. Donc je les mets de côté, je vais mettre un torchon dessus et je laisse doubler de volume avant de, de les faire cuire. Non, ça y est, j'ai enlevé la carapace de mes crevettes. Hop, alors ça va, ils étaient déjà dévenés et tout, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Voilà, donc du coup j'avais juste à enlever la carapace. En tout, j'ai 550 g de crevettes. Hop, et je vais les mixer, mais alors on va pas les mixer en purée. Il faut vraiment les mixer par à coup. On veut pas de la purée, on veut des petits morceaux. Donc on va donner quelques coups de robot. Donc voilà, j'ai donné quelques coups, vous voyez, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai encore des petits morceaux dedans. Donc je vais récupérer tout ça et le mettre dans un saladier et on va mélanger les autres ingrédients. Donc là dans mon mélange avec les crevettes, j'ai déjà mis une cuillère à soupe de persil. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais est-ce que vous allez voir, ça ne fait pas vraiment de la purée, j'ai encore les petits morceaux de crevettes. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit de la purée, autrement ça va être tout bizarre quand vous allez les faire cuire. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de persil, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, une et deux, 3 cuillères à soupe de chapelure, une, deux, 3. On va saler, poivrer, donc du sel, poivre, une cuillère à café d'ail semoule, de l'ail déshydraté, et un œuf. Et on mélange tout ça. Donc là je suis en train de former les steaks, je les ai mis sur une plaque, je vais les faire cuire au four, moi justement pour mettre moins de matière grasse que si je les faisais à la poêle. J'ai juste pulvérisé un tout petit peu ma plaque de cuisson et j'utilise un disque pour avoir une forme à peu près ronde, mais bon après vous pouvez faire des tas. Hein. Hop, et là en fait au niveau des points, pour un steak c'est un point. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Les crevettes, ça prend pas de points. Donc du coup, il y a juste la maïzena et la chapelure qui prend des points en fait dans ce steak. Donc hop, je mets dessus, j'étale du mieux que je peux et j'enlève le disque. Donc je fais un steak à peu près sur 1 cm, 1,5 cm d'épaisseur. Hop. Ah. Voilà. Je vous ai pris à la main pour que vous puissiez bien voir la texture en fait. Vous voyez, on a des petits morceaux de crevettes. Hop. C'est pas complètement haché. Voilà. Donc là du coup j'ai mis 5 steaks, je vais les mettre au frigo en attendant de les faire cuire tout à l'heure parce que là il est encore tôt, il est 6h. Je vais faire cuire aussi les pains aussi et je vais m'occuper de la salade de choux. Alors pour la salade de choux, on va avoir besoin de la moitié d'une tête de choux chinois, voilà, la moitié d'une tête que on émince finement. Ensuite on va avoir besoin d'un demi ou d'un jus de citron, je vais voir au goût. Là j'ai 2 petites gousses d'ail que j'ai émincées, donc l'ail frais, là l'ail nouveau que j'ai acheté. Ici j'ai un tout petit peu de piment, alors j'ai vraiment mis un tout petit peu, c'est le même piment que j'ai mis hier. Comme je veux pas que ça arrache,
Je vais en mettre un tout petit peu dedans, je vais goûter. Et au pire, celui qui veut en rajouter dans son hamburger, il en rajoutera. J'ai 2 cuillères à soupe de persil dans un saladier là, avec 150 g de yaourt grec. Donc c'est pareil, c'est le yaourt grec 2%. Donc le léger. Et du sel et du poivre. Donc là, on va préparer déjà la sauce. Donc je vais mélanger le persil, le yaourt, l'ail, le sel, le poivre, le jus de citron. Je vais mélanger, je vais goûter, rectifier l'assaisonnement s'il y a besoin. Donc je vais mettre déjà la moitié du jus de citron. Et je vais voir s'il y a besoin de plus ou pas. Alors j'ai mélangé la sauce et en fait la moitié d'un jus de citron vert c'est suffisant. Là du coup on va ajouter, donc j'ai salé, j'ai poivré hein, et le piment j'en ai pas rajouté. Ouh chérie qui fait des catastrophes. Donc je disais le piment j'en ai pas rajouté, je sais pas ce qui a fait tomber. Mais je suis sûre qu'il est en train de se retenir d'un juron là. Donc j'ai pas rajouté de piment parce que je veux pas que ça pique de trop. Au pire, comme je vous ai dit, on en rajoutera nous-mêmes dans nos burgers. Donc là j'ajoute mon chou. Hop. Et je vais mélanger. Donc là dans la salade je vais aussi ajouter un oignon tige. Hop. Que j'ai émincé. Et hop, on mélange aussi. Et je vais le mettre au frigo en attendant de manger tout à l'heure et de servir les burgers. Donc pour les pommes de terre, j'ai pris des grenailles, je les ai nettoyées, je les ai coupées en deux. Sel, poivre, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et du romarin. Qu'est-ce qu'il y a chérie? C'est moi qui l'ai mis. Oui, c'est toi qui l'as mis la cuillère à soupe. On mélange et on met au four. Au four pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que la pointe d'un couteau ça rentre et qu'elle soit un peu dorée. Les petits pains sont cuits aussi, hop je les ai sortis du four, donc je vais les mettre sur le côté. Alors voilà les pains, je les ai coupés, voilà ce que ça donne à l'intérieur. J'en ai coupé un pour faire la photo du blog. Donc celui-là je vais mettre de côté, celui-là vous pouvez le mettre sur la table. Hop, j'ai fait cuire les steaks de crevettes, donc je les ai fait cuire à 180 à peu près pendant une demi-heure en les retournant à mi-cuisson pour faire dorer aussi l'autre côté. Je vais les sortir, je vous les montre. En fait, si ça se tient super bien, ce que ça donne les steaks de crevettes. Voilà. Donc pour les points, je pense que je vous l'avais dit, hein, c'est 1 point le steak. Et les petits pains, c'était 5 points. Je pense que je vous l'ai dit aussi. Et pour la salade qu'on va mettre avec, je vais regarder, mais je pense que c'était 0 point. Alors voilà les pommes de terre qui sont cuites. Alors pour les pommes de terre, pour 100 g, c'est 2 points. Donc pour les servir, on met le pain, le steak et un peu de salade de choux sur le dessus. Hop. Et on referme. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc du coup, c'est 5 points le pain. 1 point le steak, 0 pour la salade de choux et 2 points pour les pommes de terre. Donc voilà mon assiette. Donc je me suis rajouté un peu de salade de choux. J'ai 100 g de pommes de terre donc pour 2 points. Le burger pour 5 points et le steak de crevettes pour 5 points. Donc j'avais dit que je n'aurais pas mangé le pain plus les pommes de terre. Mais en fin de compte, ça me fait un dîner pour 9 points et ça rentre tout à fait dans mes points. Donc voilà. Je vais me faire plaisir ce soir. Donc tout à l'heure je vous ai dit 9 points pour mon dîner, ça comprenait mon dessert, hein. Le dessert il fait 1 point. Donc 20h50 et tout est fait, on a mangé, cuisine rangée, on va pouvoir aller se poser. Enfin d'abord je vais monter le vlog avant. Alors demain, quoi de prévu pour vous? Je vous ai fait une petite vidéo avec 5 idées de petit déjeuner. 5 idées de recettes et tout. Et c'est vrai que je me suis dit, le petit déjeuner, c'est pas forcément un moment où je partage vos recettes, enfin les recettes. Et souvent, vous me demandez en commentaire ou vous m'envoyez des messages ou des mails pour me demander comment je fais telle recette, tel petit déjeuner ou tel petit déjeuner. Donc voilà, je vous ai donné 5 petites idées de petit déjeuner, on va dire de saison. Donc j'espère que ça vous plaira. Des petites idées qui changent un petit peu et puis au moins ça.
voilà, ça permet... Enfin, moi, j'aime bien varier de petits déjeuners et tout. Donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous donner aussi des idées. Et pour vous aider aussi à varier vos petits déjeuners. Et en plus, je vous donne les points, du coup, à chaque fois. Donc, du coup, vous aurez ça demain. Puisque pour de vous, demain, on est lundi. Et alors que pour moi, c'est vendredi et que c'est le début du week-end. C'est cool. Alors, il paraît qu'elle annonce du beau temps pour ce week-end. J'aimerais bien. Parce que franchement, en ce moment, j'ai même plus envie de sortir de chez moi. J'ai envie de me remettre en hibernation, là. Mais en plus, j'ai pas chaud. Il fait 11 degrés et tout. Enfin, je sais pas, on est quand même mi-mai bientôt. Mais pourtant, c'est sunglasses cette nuit, ce week-end. C'est ça, hein, c'est ce week-end, hein, les sunglasses, chérie. Donc, logiquement, il aurait pas faire beau. T'aurais faire froid. Ouais, c'était là? Je pensais que c'était ce week-end, moi. Ouais, bon, si, pour le potager, tu fais attention quand même. Ah non. Ouais, c'est sûr. Ça gèle, ça gèle. Bah, faudrait mieux pas. Là, tout à l'heure, tu t'as... Ah bon, on avait tout perdu, hein, tu te souviens? Ouais, c'est sûr, c'était au mois de mai. Et on avait tout planté et il y avait eu une dégrêle. Mais une grosse averse de grêle avec des grosses grêles. Et du coup, ben, tout ce qu'on avait mis, les choux, les machins et tout, tout était perdu. Et on n'était pas les seuls, hein, parce que tous les jardiniers, c'était la même chose. Ouais. Ah, parce que c'était après les sunglasses, là, c'était après le 15 mai. Parce que souvent, Chéré attend le 15 mai, enfin, même après, pour pouvoir mettre tout ce qui est pied tomate et tout. Ben, ça a coupé, ma batterie était pleine. Enfin, pas ma batterie, ma carte. Donc, du coup, je sais même plus de quoi je vous parlais, mais je pense que je vous parlais du temps qu'il allait faire ce week-end et que j'espérais qu'il allait faire beau. Voilà. Ou des sunglasses, ou je sais plus trop quoi. Ou du potager, ou des légumes. Enfin, bref. Oui, je pense que c'était ça. C'était du potager et des légumes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Chéri a été mettre des choux et qu'il avance un petit peu à la fois au potager. Et que j'espère qu'il fera beau ce week-end, malgré les sunglasses. Donc, sur ce, je vais clôturer le vlog. Je vais aller monter le vlog, aller prendre ma douche et aller me prélasser un petit peu avant d'aller passer une bonne nuit. Demain, pas de grasse mat, Stacy commence à 8h. Allez, mais bon, demain la dernière et après c'est week-end. Donc je vous souhaite un bon dimanche, voilà, profitez de votre journée en famille, si vous êtes en famille. Et du coup, bah, moi je vous dis à demain pour des idées de petit déjeuner. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit. Et je vous dis donc à demain. Bye, bisous.